Allemand. Allez, on va faire comme ça. Allez, salut YouTube et salut à ceux qui viendraient de nous rejoindre sur Twitch. Nous allons attaquer un tout premier live avec la VR, donc c'est pas tout à fait tout au point. Je suis très lumineux en haut, c'est formidable, quel éclairage. Donc j'ai reçu un Oculus Rift il y a quelques jours dans le cadre de. Et du coup, donc j'ai testé un petit peu vite fait la techno, j'ai fait un petit peu les tutos qu'il y a à la fois sur Oculus et sur Steam VR. Et j'ai vu que nous avions un Minecraft gratuit, une version gratuite de Minecraft ou alors une version d'essai, on ne sait pas trop, sur le logiciel Oculus. Donc du coup, on va tester ça pendant 2 heures. Donc j'ai essayé de voir s'il y avait des moyens d'inclure le chat Twitch dans l'overlay de la VR, mais apparemment c'est pas possible, ou du moins c'est compliqué. Donc du coup, il n'y aura pas. Donc je vais toutes les 10-15 minutes regarder un petit peu le chat pour voir un petit peu. Pour voir un petit peu. Pour voir si on peut améliorer ça du coup. C'est droit de ouf, t'as vu ça? Donc du coup, on va faire quoi? On va démarrer une nouvelle partie donc sur la version qui a l'air d'être la version Windows 10 de Minecraft, donc déjà downgradée par rapport à la vraie version. Et en plus, ça va être la version VR, donc il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles. C'est l'Oculus Rift, c'est ça, Mathieu. On va découvrir ça, voilà, je pense, pendant 1 à 2 heures. Et voilà, du coup, moi j'avais déjà joué pas mal à Minecraft, j'avais pas spécialement envie de m'y remettre, mais finalement l'expérience VR, ça. Il y a des sensations qui sont en plus, donc ça, j'avais bien envie de découvrir ça avec vous, même si j'ai un petit peu testé pour voir si ça marchait bien. Donc voilà, je regarderai le chat de temps en temps, on va faire une nouvelle partie en survie, en difficulté difficile tant qu'à faire, et on va principalement faire de l'exploration, collecter des ressources, faire des abris, tout ça. Il n'y aura pas de la grosse construction de. Mais voilà, on va explorer un petit peu le monde de Minecraft, j'ai fait au fil des mises à jour, mais du coup, en VR, voilà. Bah c'est parti, je vais mettre le casque et on va attaquer. Attention, préparez les sacs à vomi, je vais mettre le casque. Hop! Tac! Passe les petites heures. Est-ce qu'on est droit? Alors voilà, ceci sont mes mains, je sais pas si vous les voyez. Ah bah si je regarde, bon, je ne vois plus. Donc. Les petites mains Minecraft très bien dessinées. Hop! Ce que vous voyez là, ce grand cadre bleu, c'est mon espace vital qui est très très restreint, et encore même il y a un espace par là-bas. Il y a le micro, donc je vais faire gaffe à pas donner de coups dedans. Je vais me placer plutôt sur la gauche de cet espace. Éventuellement, je vais réinitialiser ma position centrale, comme ça sera fait. Alors là, vous n'allez rien voir, vous voyez, OK Minecraft, bah, pour pas longtemps. Je vais réinitialiser ma vue. Donc faut que j'appuie sur A, c'est ça. Voilà, et comme ça, quand je regarderai droit devant vous, je verrai le menu, et comme ça, je verrai un petit peu mieux la webcam, je pense. Vous renvoyez le jeu, c'est parfait. Du coup, jouer. Alors je sais pas comment on supprime un monde, donc du coup j'ai plein de mondes d'essai. On va mettre le cap derrière l'épaule. On va en créer un nouveau. Créer un nouveau monde. On va appeler mon monde parce que j'ai la flemme d'enlever le casque pour aller sur le clavier. À moins qu'il me propose un petit clavier virtuel, mais j'ai pas l'impression. Ça sera mon monde 25. Survie en difficulté difficile. Est-ce qu'on m'entend toujours là? Je vois que la musique s'intensifie, je suis loin du micro. J'arrive à voir le chat en fait. Tellement quand je regarde comme ça. Ne tombe pas. Ouais, je ferai en sorte. Oh, bon, ça va en fait. En fait, le chat est bien placé. J'arrive à voir en fait par le dessus de mon nez. carte de départ, ça, je sais pas ce que c'est. Coffre bonus, non. Type de monde, infini. Pas de seed, pas d'option de triche. Multijoueur, pour l'instant, on va commencer en solo. Si éventuellement vous voulez me rejoindre plus tard, on pourra se faire des parties ensemble, sachant que vous aurez un handicapé qui a du mal à se déplacer avec vous. C'est rigolo. Point carré. Donc pour l'instant, ça sera du solo. Et sans texture pack. Donc vous voyez, ils ont fait un petit décor de Noël, on a l'impression, avec de la laine roux, de la neige partout, des montagnes. On peut regarder derrière soi. Vous avez sûrement envie de vomir, mais c'est très beau pour moi. Allez, créer. Et c'est parti. Et je reviens et je vois la VR. Et remanère, je crois, hein, c'est en jaune.
On m'entend bien, ok. J'ai l'air pas du tout débile avec cette posture. C'est bon pour le son, tombe pas. Ok. Commande VR modérée. Dans les commandes VR intenses, mais. Pas ouf. Alors, au début, j'ai eu peur, j'ai cru. Ah mince, le jeu finalement. Ah, je suis pas droit, c'est cool. Le jeu, ça va être ça en fait. On est juste dans, un, dans une petite salle Minecrafty. Un petit peu autour ce qu'il y a. Et on joue devant un écran. C'est un petit peu nul. C'est comme ça que sont la plupart des jeux qui ne portent pas la VR sur Steam. Espèce de salle et puis un écran au milieu. Mais, finalement, ensemble jeu. J'appuie sur Y. Alors, oui, je vois vachement Y avec mon. Pour changer de point de vue et magie. Donne. Dans Minecraft. Bonjour touffe d'herbe, comment vas-tu? J'ai mis la génération. Alors je sais pas si on m'entend quand je parle à mon mur. Donc on voit les chunks de loin, mais ils m'ont mis sur des îles toutes pourries. Je sais que ça va être la joie. Donc les touches, c'est très simple. Avec le stick, je peux changer l'angle de la caméra par petit arc de cercle ou alors tourner la tête. Et si je vais vers l'avant, ça va dans la direction de ma tête. Ah, pour sauter. Donc à savoir qu'il y a un bouton A et B ici et deux gâchettes, une là, une. Et X, Y sur celui-là. Et deux gâchettes pareil, plus le mouton. Non, le mouton, il est là-bas. Le bouton pause, qui est ici. Sur mon point gauche, je peux voir ma petite barre de vie et mes slots. Je me sers des sticks pour aller d'un slot à l'autre. La barre de faim qui va jamais se vider, que j'ai cru comprendre. Donc finalement, le fait qu'on ne puisse pas manger, c'est. Voilà, j'ai mon point avec. La possibilité de casser de la dirt, de greffer de la dirt comme un petit chat avec la molette ici et de poser des blocs avec avec l'autre gâchette. Donc du coup on peut regarder un petit peu où on veut, ça c'est bien pratique pour visualiser rapidement l'espace. On coupe du bois, hein, c'est le début d'une partie Minecraft, hein, on change pas les bonnes habitudes. Alors par contre c'est le seul arbre que j'ai de la ville. Hein. Là c'est qu'on peut creuser et regarder ailleurs. Toujours mes trompes en dessous. On se pète le cou. Et ben je crois qu'on va pas rester bien longtemps sur cette île s'il n'y a pas plus d'armes parce qu'avec si peu de bois, on va se faire chier. J'ai plein de choses à vous dire, mais je vais attendre parce que la nuit va arriver et puis je vais me faire labourer. Vraiment, on a dans notre corps ce qu'on appelle une oreille interne. Qui fait que bah, si, si on a des mouvements qui se passent avec notre système visuel et qu'on ne ressent pas ces mouvements côté équilibre avec l'oreille interne, bah, ça provoque des déséquilibres. Donc c'est pour ça que vous pouvez me voir des fois bouger d'avant en arrière. C'est tout simplement que j'essaye de me rééquilibrer. Que pour moi, mon cerveau il est en train d'avancer, mais pas vraiment. Du coup, je vois des arbres là-bas, au loin. Donc on va aller par là-bas. On va traverser cette étendue d'eau. Je vais quand même faire des outils de base alors que nous avons du charbon et de la lave. Ah, alors attends, je suis où moi? Je suis sur cette case, c'est ça? Pas gaffe. Pas tomber, il y avait du charbon, c'était intéressant, mais c'est assez risqué. Puis ça risque de tomber dans la lave. Je pense qu'on va aller ailleurs. Théoriquement, j'ai pas besoin de bouffe. Hein. C'était où mes arbres? Ils étaient là-bas? Bon, on va aller là-bas. On va juste se faire des équipements au cas où. Donc avec B, j'accède à au craft. On va se faire des petites planches. Toutes les planches qu'on peut d'ailleurs. On va se faire une petite table de craft. Là. Et des sticks. Quand je reviens toute seule. Ok. Bon, je ferme, je ne sais pas. Ah, bah c'est bon, ça s'est fermé tout seul. Je pose ma petite table de craft. J'interagis avec et on va se faire une épée en bois pour commencer. Histoire d'avoir au moins de quoi se défendre et. On va se faire une pioche. Je peux séparer ma pile en deux. Voilà. Parfait. Pose ceci. On n'avait pas encore trop les touches, les raccourcis pour aller sur la table de craft facilement. Ok, ça m'a gardé mon stuff. Ok. J'ai ma petite épée. Alors ça sert à rien de balancer l'épée. Ça ne coupera rien. Oh, c'est cliquer bah, comme dans Minecraft, hein, tout ça. Comme dans la version classique. Bon, on va traverser cet océan et ça va me permettre de lire le chat. Quoique, nous avons une petite grotte ici. Mais ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas beaucoup de bois. Ah, alors ce sable est pas censé tenir normalement. Voilà. Je préfère. C'est
pas éclairé, puis j'ai pas de charbon. On va plutôt aller chercher du bois sur l'autre île, hein. Je pense que ça sera pas plus safe. Et ça, avec la VR, c'est pas du tout rassurant. De voir l'immensité des abîmes et de pas savoir ce qui va arriver. Il ne manquerait plus que je tombe sur, sur le donjon sous-marin. Mais je vais mettre 20 ans pour aller là-bas. Est-ce que je ferais pas un bateau? Ouais, parce que j'ai rien fait, puis la nuit va tomber. Il est où le soleil? C'est midi. Attends. Ouais, la caméra, ça m'oblige à lâcher le stick. Ah, j'ai laissé ma table de craft comme d'habitude. Pas les habitudes. Un petit point sur le chat vite fait. Ouais, le bateau. Alors, oh oui, c'est intense. Oui, ça va. Enfin, vous répondez à des questions, mais je sais plus quelle c'est, hein, mais bon. C'est comme sur les jeux de voiture. Ouais, je vais faire un bateau, ouais. Alors, si je me souviens du craft, bah, de toute façon, c'est la version Windows, donc il y aura tous les crafts indiqués. Alors, le bateau. À fabriquer. Non, faut que j'aille sur la table de craft, là, j'y suis pas. Là j'y suis. Ok. Bateau. C'est avec des planches ou avec des... Ça doit être avec des planches. Je peux pas en avoir assez, faut voir. Ça c'est un bol. C'est pas très loin le craft. Ah bah voilà. Bateau en chaîne. Ah il faut une pelle. Ah c'est nouveau ça. On va faire une pelle. Bon ça fera office de wiki. Chope la pelle. Non mais la pelle je l'ai pas, je peux pas la choper. Faut que je chope le reste et que je la craft. Au pire on va quitter. Hop, on va revenir. Comme on peut. Et une pelle. Alors soit c'est un autre type de bateau, soit c'est nouveau. Hein. Je me souviens qu'il fallait une pelle pour ça. Et bah du coup j'ai pu faire mon bateau. Quoi? Oh genre il me manque une planche. Ah formidable. Il n'y a plus de bois. On va pas avoir le choix hein. On voyait la nage. Hein. On a une super génération de map hein, pour commencer. Ah merde. Il me manque une planche. Ouais, bah, pas le choix. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Vous n'êtes rien. Je vais la quitter. Voilà, faut juste que je clique sur B ailleurs en dehors de la fenêtre en fait. Bon, je vais au moins récupérer ça. Avec l'épée, c'est peut-être pas le mieux pour qu'elle soit. En pleine forme. Et bah tant pis, on va y aller à pied. Hein. Pas à la nage. Ça va prendre 20 ans. Et discuter de quelque chose, n'hésitez pas. Il y a le temps. Oui, non. Heureusement, la gestion de la fin n'y est pas, sinon là je me serais épuisé. Est-ce que je peux sprinter en nageant? Et le double tap. Et de maintenir A. Enfin, si je regarde ailleurs, forcément je vais là-bas. On va pas lâcher mon objectif des yeux ou incliner le stick en conséquence. Il y a de quoi faire en arbre. Bah si vous voyez ce que je vois. Mais... Cette petite colline sous-marine fait très régulière. Je me demande si c'est pas un temple. On va essayer de pas trop le survoler. Un des fameux temples engloutis. En tout cas, je peux surveiller que ça tourne, donc ça c'est cool. Je pointe là-bas. Hein. Ah il faudrait que je lâche. Là. Ah R6 comme Splatoon. Bonjour. Je reste à la surface, hein, ça me rassure. On a dû faire la moitié de la distance, là. À peu près. Il va bientôt se coucher, on n'a pas d'armes. On n'a pas d'abri. Mais c'est toutes des petites îles. C'est parce que j'ai choisi Infini ou... vraiment tombé sur un biome pourri. Comment on appuie sur F3? Je vois le biome. Pas bien droit. Prends le mur. Allez, on va se faire peur un petit peu.
Les fonds sous-marins, on voit pas le fond, c'est bon. Alors vous voyez sûrement la même chose que quand vous jouez à Minecraft. Et moi, je suis entouré d'eau quand même, de noir partout. J'ai peur. J'ai pas de bordure d'écran ou le reste de mon bureau à côté. Pour me rassurer, et je regarde pas mon oxygène. Bien joué. Bon, la régène est assez rapide. Cette poisse coincée dans un... Dans un îlot, c'est ça? Pas bien. Enfin, dans un atoll, les opticiens. Et la lune arrive, et le soleil n'est déjà plus là. Je vais voir des zombies de très près en fait, ça va faire peur, je vais voir un creeper. Alors déjà que j'ai eu peur des dégâts de gêne. N'hésitez pas à clipper. Ah là, il y a l'air d'y avoir un peu plus de terre par là-bas. Hein. Ah, ok. Comment dire? Comment dire? Attends, faut que je tourne un peu la caméra. Il est où? Il est là. Ah oui, ah bah oui. Bon, on va mourir. Et je vais perdre tout mon stuff. Bon, j'ai pas grand-chose, mais... Ah non, alors si le squelette me voit... Ah, là, je suis dans la merde. Bon, je suis pas un zombie. Ça se trouve, il y en a derrière moi. Non, c'est bon. Pas très envie de débarquer là. Hein. Ouais, il va falloir que je le fasse. Je pars. Bon, là, je peux pas trop suivre le chat, hein, vous m'excusez. Ah, une petite araignée, je pensais que c'était un poppy, mais non, ça brille bien. Putain, il y avait une autre île là-bas, mais elle est loin. Je pense qu'on va passer la nuit dans l'eau. Hein. Ça m'a l'air plus safe. C'est con, il y avait plein d'arbres. Ouais, c'est le comité d'accueil, mais putain, bah, je vais me faire la brouille. En plus, j'ai mis en hard, donc youpi. J'attendais au moins à pouvoir aller dans une grotte day one, quoi. C'est pas trop ça. Plouf, plouf, plouf. Je vais boire un petit peu d'eau. De l'eau de mer, évidemment. Ah, on voit mieux le fond de l'eau depuis la surface. Et je fais le papillon. Une nage tout à fait legit. Là-bas, il va y avoir du monde pareil, mais bon, peut-être qu'avec un peu de chance... Putain, la nuit a presque pas avancé. Mais là, il y a plus de relief, je pourrais peut-être me cacher. Là, c'est tout plat, il a fallu que je m'enfonce dans le sol, que je refasse un mur derrière. Est-ce que j'ai de la dirt pour boucher? Là, j'ai de sable. Ah, là, je vois. C'est un poulpe. Il y a un truc tourné bizarrement. C'est noyez-vous, ça va? Bon, je pense qu'on peut arrêter de surveiller l'île. Hein. Elle a peut-être. Ah, oula, j'ai trop tourné. Et de bouger le stick. Ah, bah, c'est bon. C'est tout droit. Tout droit sur ma zone de jeu. Il y a le mur qui me sert de repère. Encore minuit. C'est long. Oh, c'est moi où il y a un village là-bas. L'impression de voir des comme des bâtiments et la lumière. Je trouve qu'il y aura un ogre qui pourra me défendre parce que là, dès que je vais m'approcher, ça va spawn. 100%. On essaye de rush la montagne ou est-ce qu'on va plutôt vers ce village mais on va se taper encore en mètre de nage. J'ai déjà une araignée. Ça a l'air plus accueillant là-bas quand même. Hein. Une deuxième araignée, une troisième araignée. Ouais, on va aller vers le village, hein. Je pense que ça va être mieux. Un casque ce zombie. Ouais, du coup, les premières, je vais en profiter pour en parler. Les premières minutes que j'ai passées sur Minecraft pour faire des tests, c'est vrai que c'était pas évident dès les premiers pas et les premiers sauts, parce que du coup on voit ce décor qui avance et on est immobile. C'est pour ça que pas mal de jeux, je pense, utilisent la téléportation pour les déplacements, et en final c'est peut-être même plus confortable.
même si c'est moins immersif. Et c'est vrai que ouais, je me sentais partir comme ça d'avant en arrière, et que je retrouve l'équilibre sur mes pieds, parce que justement, l'œil a la sensation d'avancer, mais l'oreille interne ne capte pas ce mouvement. Heureusement qu'il y a quand même les mouvements de la tête qui sont produits à la frame, qui répondent hyper bien, parce que je pense qu'on serait perturbé si en plus... Et les sauts aussi, c'est travail au début. J'essaie aussi de monter en haut d'un arbre et on a les petites sensations de vertige ou ce genre de choses. Et de chuter d'un arbre, de faire une chute libre et c'est pas trop bien quand même. Est-ce que j'ai toujours droit si je fais ça? J'ose pas imaginer le cauchemar de voir les habitants comme IRL. Bah, disons que je suis allé sur une map, donc sur SteamVR, sur une map Zelda. Il y avait des PNJ qui étaient des mannequins immobiles, hein, et c'est pas rassurant, même si c'était très coloré et tout. Mais là, ça va, ça sera mieux rassurant que des squelettes et des zombies, je pense. Bon, en plus, il y a de la lumière, donc il y aura un peu moins de spawn d'ennemis. Là, vous voyez déjà, ça commence. Hop. Ouais, va vite falloir dormir dans un lit, parce que si je me fais tuer, ça va faire de la route. Je crois que je vois un zombie avec une armure en cuir là-bas. Plus. Alors il est tombé dans le trou. Par contre, j'ai jamais croisé encore de creeper. Il y a jamais de creeper qui m'ont pété dessus. Préparer les clips. Il y en a un qui me surprend. Pas surpris. La fin de la nuit, pas tout à fait là, même si la nuit est bien avancée. Bon, sur cette plage, est-ce qu'il y a du monde? Ça a l'air safe. Ah, je crois que j'ai vu un habitant. Au pire, on va rester dans la maison. C'est la fin de la nuit. On entend un squelette. Attends, mais il y a un... Rendez-vous les villageois. Il y a un squelette. Tapez-le. Oui, bah fuyez, oui. Vous avez pas un golem avec vous? Je serais plus rassuré à l'idée d'aller chez vous. On va bien le contourner. On va passer par une autre maison, hein. Alors j'espère que je peux interagir avec les portes. Ça, ils font peur ces poulpes dans l'eau quand même. Ils me prêtent attention. Bon, on va passer par l'autre côté. Hein. Le sprint. Je crois qu'il m'a vu. Hein. Prendre des flèches. On va longer le mur. Araignée. Ah, c'est quoi? Oh non, ils ont foutu un village sur un rift. Alors, il va falloir que je regarde où je mets les pieds. Est-ce que vous avez des portes au niveau du sol? Ça serait plus praticable. Ah, porte. Porte. Non. Là, j'ai trouvé la touche. Excusez-moi, monsieur. Refermez cette porte. Merci. Voilà. Arrêtez de stresser comme ça, de faire les 100 pas, vous me... J'ouvre les portes. Laissez ces portes fermées, j'ai dit. Donc, avons-nous là. La maison est plus grande que mon bureau. Sans que ça rôde autour. Hein. On va rester là tranquille. Une meuf, on n'importe quoi, c'est normal. Ok, on est juste deux, c'est bon. Alors qu'en VR ça doit être ouf, j'imagine. Donc ça va, côté son, ça passe? Ça spamme les portes. Ben voilà, tu demandais si c'était le cauchemar. Bah ben, oui, on essaie de survivre comme on peut dans ce village. Je pensais pas forcément à ça. Ah, regardez sa crotte en VR. Pour une fois. Ok, je vois que vous êtes très inspiré. Ok. Ah, alors que le jour se lève, j'ai l'impression. Pardon, excusez-moi, j'ai échappé mon contrôleur et je vous ai mis un coup de pelle. Vas-y, mon petit HUD. Bon, c'est bon, il fait jour. Faut y aller. Je vais voir si je suis droit. Ok. Okay. Fermez la porte quand même. Bon. Petit village en plein milieu d'un rift. Ah oui. Ah, on va se mettre en sneaky. Hein. Ne poussez pas. Et là... Ah, squelette. Heureusement, je suis en sneaky. Vas-y, tombe.
Il n'y a personne d'autre, on peut y aller. Je peux voir par-dessus ce puits. Alors attention, il y a le micro par là. Je vais réussir à voir par-dessus le puits. Hors de ma zone de jeu. Ah, ça tra... Oui, je passe allègrement à travers le bloc. Ah! Il cheat! Ah, ça... Ah, il n'y a pas le... Ça fait pas le X-ray ou les bugs de chunk. Quand on est dans un bloc, on ne voit rien. Donc on peut pas tricher. Ok. On saura. Ah, c'est mon fil de fer. Ah, si, regardez. Et voilà! Une position tout à fait naturelle. Très bien. Je reviens dans la zone de jeu. Ça arrive. Bon. Ok, minant. Voilà. Et on va regarder quelque chose qui fait un peu plus peur. Ne me pousse pas. Merci. Je suis en sneaky, c'est bon. Alors là, je saute. Ok, je suis en sneaky. Oh putain. Bonjour. Il y a un truc bizarre au fond là. C'est vrai qu'il y a une étiquette dessus. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Peut-être un PNJ. Ah, bah là, on la sent là. Ah, je sais pas vous. De toute façon, si je mets un pied dehors, théoriquement, je risque rien. Je peux aller dans le vide. Oh, il y a un moment, il y aura mon bureau, voilà. Là. J'ai les pieds dans le vide, tout va bien, mais je suis sur cette case. Je suis en sneaky, je peux pas tomber. Voilà, les rassurantes de la VR. Attention, le. Être collé à ces monstres. Le villageois qui danse. C'est énorme. C'est quoi, le villageois qui danse ou le rift? Enfin, le. Pas le casque, la faille. Je vais reculer. Je regarde juste ce qu'il y a au cas où. Ouais, il y a des planches qui doivent correspondre à peut-être un bâtiment, peut-être. C'est pas trop. Ah, j'ai les jambes qui commencent à trembler. Reculons, gardons le sneaky. Et on va aller couper des arbres, parce que c'est bien beau de regarder les campagnes, mais les failles, mais voilà. Peut-être que je vais tomber sur une réplique de la faille un peu plus loin. On va couper du bois. Ah, faut que je regarde s'il y a un lit dans une maison. Ou alors faut que je me tue des moutons et que je m'en fasse un. On va pas respawn à 20 000 lieues. On va déjà couper du bois parce qu'on va en avoir besoin, il y a un zombie qui brûle là-bas. Ah, distance d'affichage, ou alors c'est que je le regardais pas. Pas trop. On va pas y aller avec une pelle. On va y aller à la main. Il n'y a pas de trou là. Je vérifie quand même où je mets les pieds. Les gâchettes sont assez sensibles, hein. Non, il n'y a pas d'araignée qui débarque. Le creeper. Là, je peux creuser comme ça. J'ai l'impression que je tire en l'air. Et ça coupe du bois. Mais bon, il n'y a plus de feuilles. Enfin, il n'y a plus que des feuilles. Ok. Alors, il y a des roches. Est-ce qu'on voit des mutants? L'impression. On va recouper quand même un deuxième arbre, hein. Ah, un mouton là-bas. V. Je pointe avec ma barre de vie. Très bien. Ah, pu. Check quand même s'il y a des monstres. Ça serait con de se faire surprendre. Alors, il y a une faille pas loin, qui est dans le prolongement, là. Petite grotte. Bien sombre, rassurante. J'entends un squelette. En dessous, ou... Comment? Épée. Épée, s'il vous plaît. Merci. Meurs, mouton. XP. Est-ce que j'ai de la laine? Ouais. J'en ai pas eu assez. Petite araignée. On peut pas faire de la laine avec les toiles d'araignée si on les combine d'une certaine façon. Parce que là, le sable il est pas actualisé. Ah. Je vois qui sont les trous. Il y en a sûr que ça peut servir. Alors, ils sont là, fait tomber dans l'eau, ça servira pas très bien. Hein.
Il faudrait plus de moutons, ou alors tenter d'oxyre des araignées. L'oxyse passe avant. En pensant, il est là, le squelette. Bonjour! Je vais prendre une flèche, je vais pas la voir venir, ça va me faire peur. Ah, rassuré. Ah, c'est une poule. Raté. Pompe pas de la laine, malheureusement. Peut-être bien trouver un autre. Ah, t'es trop loin. Alors avant, j'avais bien l'appréciation des distances pour attaquer les araignées et les zombies, mais là, un peu moins quand même. Salut! Ah, un petit œil. Ah, là! Là, on est rassuré. Attention, je regarde mon chêne. Caverne sous-marine. Il m'a même pas looté de fil, du coup. Bon, sinon, est-ce que certains d'entre vous ont déjà sorti les petits sacs plastiques? C'est une poule. Bon. Une espèce de temple des sables là-bas. Mettez un peu. Ok, une faille pas très loin. Les bons plans. Ouais, on est déjà bien dans l'après-midi, là, faudrait que je passe un lit, au moins que je puisse déjà bah, avoir la possibilité de passer la nuit. Et surtout d'avoir un spawn. J'ai vu une araignée à droite. Ah. Regarde, ça se trouve, ils en ont des lits. Hein. Bah non! Reviens. Ah! Alors ceux qui ont la phobie des araignées, je pense qu'ils doivent être contents sur Minecraft en VR. Hein. Bonjour, est-ce que vous avez un lit? Non? Ok. Arrête de péter cette porte, elle t'a rien fait. Ça, c'est un toit, oui. Oh. Oula, il y a un trou là. Attention. C'est la forge. Ah, c'est vrai qu'il peut y avoir des coffres des fois dans les maisons. Enfin, ça, un bloc, ça, c'est pas un four. Ah, par contre, il y a les fours là. Bonjour, qu'est-ce que vous avez de beau dans votre four? Rien. Bon, je quitte le four. Rien non plus. Et non, je m'en fous. Petit diamant gratuit. Donc, je ferais peut-être mieux de mettre tout dans ce coffre. Avant de mourir et de tout faire tomber. Personne n'a rien vu. Un petit sprint. Oh, des creepers là. J'ai cru voir. Au loin. Je regarde chaque bloc sur lequel je marche. On peut y aller dans cette maison là? Aïe. J'ai pas l'impression qu'il y ait de porte, ou alors elle est là-dedans. Excusez-moi, hein, je terraforme un peu votre village. Ça vous dérange pas. Je cherche l'entrée à cette maison. Je me fais moi-même les trous dans lesquels je vais tomber. Ah, c'est une fenêtre. Vous venez pour voir les travaux. Vous êtes un peu nombreux et pas très rassurant. Ça va que je sais que vous êtes là. Ah bah elle est là la porte. Bah attendez, je vais vous faire un escalier. Il suffit de demander. J'ai pas de la terre là. Ah bah y a pas grand chose ici. Tout ça pour ça. Au moins, vous pouvez y aller dans votre maison maintenant. Enfin, je m'enferme, tiens. Je serais bien allé voir la tour.
Ah bah il y a de l'eau. Ah mais... Tout est à refaire dans ce village. Décidément. Pas de coffre. La peine un peu. Oula, alors. Mécanique que j'ai pas encore testée, les échelles. Alors. Le village au-dessus du vide. Ah, j'ai vu un creeper, mais c'est. Pourquoi j'ai mis un creeper dans mon overlay? Genre là-bas, là. Oh mon Dieu! Je suis sûr, la première chose qu'il a fait, c'est regarder du porno en VR. Bah, pas du tout. Ça va, tu joues pas Tracer sur Overwatch? Oui, je pense que ça sera assez. Ah oui, donc ça, c'était pour les sacs à vomi, je pense. Je sais pas combien vous êtes. J'ai pas mis. Pas fait en sorte de voir un petit peu le dashboard. Je vais prendre le temps de regarder. Regardez ce magnifique mur. En VR, aux yeux ébahis. Alors qu'un bloc vient d'apparaître. Apparemment, vous êtes 4. Ok. Je vais mettre ça là-bas pour avoir les stats. Ah, bah je vois tout sauf le nombre de viewers. T'inquiète. C'est normal. Voilà. Alors, du coup, je serais infoutu de dire le temps que ça fait qu'on joue. Je vais aller voir vite fait l'heure du tweet. Ah bah en plus il va faire nuit, ça va être formidable, on va passer une nuit. Ah bah je creuserai au pire, on fera une grotte. On aura toujours pas de lit, c'est ça qui m'inquiète, et on est à côté d'une faille quoi. Il y a 36 minutes, donc c'était. On attaquait à 8h30 à peu près. Ok. Notre traceur en VR, on tient pas 10 secondes. Tellement. Allez, ok. On est reparti. Mais là, je vois pas. Ok. Allez. On fait la petite pause. Je regarde plusieurs fois. Il fait nuit. Alors, je vois pas le contrôleur. Dans certaines applis, on le voit, mais là, on le voit pas. Et là, c'est quand vous lâchez les manettes, il représente le VR contrôleur là où il se situe dans l'espace réel. Et en fait, instinctivement, avec la main, on le récupère sans problème, quoi. Il est orienté correctement. Donc. C'est bien pensé. C'est pas grand-chose, mais c'est. Ah oui! L'échelle! On va se mettre droit pour l'échelle, hein. Ah, dos au mur. Ah ouais, donc c'est comme Minecraft, faut, si tu lâches la touche, tu retombes. Est-ce que en sneaky, des fois. Ah voilà, faut les faire en sneaky. T'as araignée sur le toit là-bas? Je regarde par la fenêtre. Rien. Ah d'accord, après donc j'atterris dehors, donc s'il y a une araignée qui prend l'idée de grimper sur la tour, je la verrai bien. Retourne. Il n'y a personne. Ah c'est très rassurant de regarder en bas. Alors enlève le sneaky, là je tombe. Alors. Et... Ah voilà, c'est bon. Échelle. Plutôt que de me retourner. Aïe! Pas de me retourner avec le stick et de mettre 20 ans. On va se retourner comme ça. Bon, allez. Oh, du sable, formidable. Une pelle. Ah, j'ai pas une pioche. Alors, creuser sous le sable, c'est peut-être pas le meilleur plan que j'ai eu. Ah, mais j'ai pas de torche en plus. Tenter, hein. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un four si je veux du charbon. Laisse tomber. Prends des bruits de pas, ça me rassure pas. Ah. C'est cette interface, merci. Faire votre place. Spawn.
Ok, on va s'installer là. Ah mais je vais même pas avoir de la pierre pour faire un four en plus. Voilà. Évidemment. Ah, j'ai que deux pierres. On va aller chercher 2-3 caillasses, on va prendre le risque. Hein. Faire ma barre comme je la fais d'habitude. Enfin, mon épée, elle est bien entamée déjà. Je vais miner les murs de la maison. Après, la maison, elle me protégera plus. Faire plein de murs. Où il y a de la caillasse. Là, c'est du sable et de la terre. On va même passer encore une nuit à attendre. Le problème, c'est si je respawnais là, je prendrais le risque. Le problème, c'est si je décède. Je reprends sur l'île tout là-bas et on va devoir se retaper toute la traversée. Donc, finalement, attendre une nuit, c'est moins long. Coin, ça devrait pas poser de soucis. Le bloc est trop loin. Et quoi sous cette planche? Une araignée au plafond. Ah! Mauvais plan. Est-ce qu'il y a des mini-zombies sur cette version? Hop, pour bien se foutre la pétoche. C'est bon, y'a personne. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, il m'en faut deux encore. Oui, je mine votre maison. Rien à foutre. Bon, elle est la mienne maintenant. un four. Ok. C'est quoi le mieux? C'est les troncs ou les planches à faire à mettre dans le four? Alors, pas de message. Tant que je passe mon charbon, il fera. À jour. Mais je crois qu'en fait il n'y a pas le chou. Ah, on y voit mieux. Pour être éclairé, je me réchauffe le moignon. En faire 4. Et on aura recoupé du bois. Ce qu'il me faut, c'est surtout de la laine. Pour faire un lit. Tant que des moutons vont respawn. Allez, encore un. Bon, là, c'est bon, normalement. Ah bah. Tenir la lame, quoique. Il n'y aura pas assez. Ok. Du coup, on va faire des torches. Bah, c'est tout le charbon. Hein. Ok. Je crois que ça fait teinte orangée, je pense que le jour arrive. Ah, mes fameuses côtelettes que je vais pas pouvoir manger. Ah bah ça marche maintenant, comment ça se fait? Ah, parce que j'ai faim. Finalement, la faim baisse, mais la faim baisse très lentement. Et ça fait 2 jours qu'on joue. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de régène, je sais pas. Mais la gestion de la faim, elle a l'air beaucoup plus soft. Ok, mais... Ah bah j'en ai mangé une, ok, bon bah du coup je suis... Très bien. Et la côtelette, regardez cette côtelette qu'on peut regarder sur toutes les coutures. On peut se mettre la côtelette dans l'œil, ça marche. Je crois que rien, mais... Bon bah il fait jour. On a plus besoin de charbon. On va chasser du mouton. Alors ça c'est le genre de truc qu'on fait normalement en une demi-nuit. Hein. Ah la pluie, formidable. C'est pas mal comme ça.
se prendre une goutte sur le casque, non. Paris, elle passe à travers. Bon, on va aller voir si on trouve un mouton du coup. On ira sur cette grotte maintenant qu'on a nos. À la prochaine nuit, maintenant qu'on a nos petites torches. Aïe, ça pique. Donc on peut manger seulement quand on a faim. Donc c'est pas que ça buguait. Ah, un creeper, formidable. J'ai hâte. Non, faut pas mourir maintenant. Ah, et du coup, les ennemis vont pas des pop. Formidable. Grâce à la pluie. Merci la pluie. Ah, y'en a un qui m'a vu, je crois. Ah, wait. Ah, non. Je retourne, mais du coup, mes jambes aussi. Bon, bah, du coup, on va se balader à la recherche de moutons. Ah, ça, c'était pas un village ordinaire, ça. Il n'y a pas un mouton. Bon, s'il est tout seul et qu'il n'y a pas de squelette à côté, on va tenter notre chance. C'est quelle touche pour taper? Voilà. Ah, bonjour. Non, il va péter. Ça va. Attendez. C'est impressionnant. Attendez, un zombie, on est d'accord? On a un peu de dirt. Où êtes-vous? C'est pas dans le sable que je vais. Dans le désert que je vais trouver des. Des mouchons. Il y en a pas, c'est fou. Plus. Ah voilà. C'est pas évident parce qu'on est obligé de faire le double tap, on est assez limité en boutons. Ah oui, trois zombies quoi. Comme ça. Et là, j'aurais pas trop de recul dispo. Tu vois? Les bonnes côtelettes. Ah, bonjour. Bah, avance-toi. L'autre qui arrive. Bon, je vais me faire lui hein, d'abord. Hein. Ils sont hyper lents. Ah, faut faire les coups critiques en sautant. Allez, laissez-les. Ah, merci. Vous êtes bien brave. Je prends vos côtelettes pourries. Ou pas, parce qu'elles sont un petit peu basses. Oh, c'est bon. Un poulpe. Pour le mouton. Je sais plus où vous êtes, hein, techniquement. Ah, une laine. Je l'ai. Je les en fais deux et je crois qu'il nous en faut trois. Hein. Pour trouver un troisième mouton. Pour assurer le spawn. Quelque chose me dit que vous êtes par là, mais je suis pas sûr. Faut que je regarde mon mur depuis tout à l'heure. Bon, je pense quand même pas. Bah, du coup, ah là, ça y est, je commence à perdre plus de bouffe là. Quoi, c'est la pluie ou les premiers jours ils sont sympas? Là j'ai perdu quand même. Après j'ai fait que marcher, peut-être que le combat, ils ont peut-être redistribué un petit peu les consos. Pour la recherche d'un mouchon. J'ai l'impression qu'il y a un brouillard de guerre, alors c'est peut-être la météo, c'est vrai que ça fait bien un blanc. Alors que du coup, quand il pleut, il fait pas un peu bleu. Je voulais voir. Bon, je suis affichage 28 tronçons. Ok. Cool! Le mur, il est là. Bon, si je me remets comme ça, hop, voilà, je suis loin. Il nous faut encore un mouton. Un creeper là-bas, je crois. C'est vert. Je vois pas trop le curseur, il est assez. Est-ce qu'on se grimpe près ça? Je pense dès qu'on a un lit, ce qu'on va faire, c'est aller dans la faille. Hein.
Bon, écoute, on va marcher, hein. Petit mouton. Mouton. Ah, voilà. Tournesol. Bonjour. Sentez cette fleur. Et pouf. T'y croirais. Bon, faut que je retrouve la ville maintenant. Ouais, je suis pas obligé d'y rester. Je peux très bien m'installer là, c'est assez sympa comme endroit. Il y a du bois. Là-bas, il y a le désert, donc on va se faire chier. Ah, il y avait la faille quand même. Oh, c'est juste la météo brouillard qui fait ça. Chat très très sage. Ah, il y avait d'autres moutons là encore. Bon, on va retourner là-bas. J'ai un four et une table de craft quand même. Pas déconner. Important. Je sprint là? Non, je sprint. Ah, d'accord, j'ai. Ah oui, là, j'ai faim là pour le coup. Et bah, du coup. Je peux pas sprinter à plus de 3 normalement. Si. Mais bientôt, je pourrai plus. Ah bah, je suis à 3. Oui, pétage de jambes. Ah non. Ah si, un petit peu. Ah mais là, je vais pas régénérer, donc il faudrait que j'arrête de faire le con. Le soleil, bah, avec ce temps, on le voit pas. Problème. Ah mais non, je peux pas sprinter, ça sert à rien que j'insiste. J'ai que ça à bouffer. Ah, je peux bouffer des pommes au pire. Les pommes, ça se cuit pas. Ah, pas du gâchis. Maintenant, faut que je tue des animaux. Alors, peut-être pas avec une pomme, c'est peut-être pas le mieux. Non, mais non. Ah, ça m'a pas redonné tant que ça. Moi, je peux sprinter. Là, on voit bien l'icône de sprint qui confirme que je sprinte. Ah, si, là-bas. Comment dire, avec le village, avec le brouillard, je trouve plus le village. Sprint là, ouais. Faut dire que je suis dans l'eau. Des zombies. Ah, j'ai. Épée? Ah, bon. Au revoir, monsieur. Pas d'armes. Bah oui. On va aller très vite là. Et de se faufiler dans les bois. Ah, alors là non. Là, Hartung. Quelle est ma maison d'emprunt? Ah bah là c'est mon trou. Bon, un lit pour commencer. Des planches. On pas plein d'inventaire, merci. Ah, c'est un lit blanc, il y a les couleurs de lit maintenant. Ok. Tous les boutons, ça ne marche pas. La nuit, du coup. Pas tôt, non? Enfin, du coup. Il faut y dormir que la nuit. Ok. Donc, c'est pas la nuit. Mais peut-être que mon spawn est 7, du coup. Et pas plus mal. Est-ce que je vais pouvoir me craft. Ah, je vais me faire de la bouffe. Mais j'ai pas de charbon encore. Ça m'embête. Bon, allez, un petit peu, hein.
On recoupera du bois. Ah, ça. On ne s'inclura pas une entière. Bon, on économise un peu de bois. Ok, donc ça va faire presque une heure qu'on y est là. Pas fait grand chose. XP. Et de la flamme. Ça cuit pas ça? J'ai cru. Ah oui, merde. C'est ça. Et oui, malheureux. Bah, j'aurais plus de bûches, j'aurais plus qu'à recouper du bois. Hein. Là, de toute façon, on va pouvoir aller dans la grotte. Bon, on peut aussi dormir. Hein. Qu'il n'y a personne qui habite ici. Hein. Peut-être que depuis que j'ai fait un trou dedans, ils considèrent plus ça comme une maison. Et ils y rentrent plus. Je pense que c'est plus ça le souci. Réserver cette bûche, hein, tant qu'à faire. Manger ça. Allez, on est pas mal. Tant que j'ai la régène. Oui, il fait nuit. Peut chatter que la nuit. Encore ou bien? En train de brûler, on va laisser se brûler ça. Bien gentiment. Je vais me refaire une épée quand même avant d'y aller. Que je me fasse un coffre aussi. Avoir un peu des trucs. Vais glisser. Voilà, puis après on fera ça avec de la pierre. Hein. On va reprendre un peu de bois et puis on descend. Y en a pas très loin. Ah, j'aurais pu me faire une hache. Pas assez de bois, je crois, pour ça. Ça irait un petit peu plus vite. Allez. J'ai du mal à sortir du menu à chaque fois. Il y avait un trou. Bienvenue sur ce tuto Minecraft épisode 1, on va couper du bois. Ça fait juste une heure qu'on y est dessus, mais c'est pas grave. Là on a vraiment l'impression que ça coupe là pour le coup. Si je la tiens pas trop comme un dégueulasse, encore que en général on coupe plus de, comme ça. Par le côté. Allez, vas-y, coupe! C'est plus crédible. Bon. On essaye de descendre notre faille, du coup. On va essayer, hein. Ça sent la chute, mais bon. On va essayer. Je vais me faire mon coffre. On va laisser ouvert, hein. Venez, je vous renvoie le diamant.
Ma bouffe, faudrait que je regarde après. Il y a un truc, un raccourci pour transférer directement là. Là-haut. Je sais pas comment en prendre un. Ah voilà. Ah bah c'est le truc pour changer de caméra normalement. Ça j'ai pas besoin. Ça bon, on va laisser. La dorche je vais garder. Les planches aussi. On va laisser. Ok. Ok. Où vous êtes? Je vous regarde un peu à gauche. Oui, des pommes. Manger les pommes. Crac crac crac. Allez, on retourne dans notre gouffre. Ça nous fera un petit peu de... peu de pierre aussi. Vous êtes là-bas, ok, je vous ignore complètement, hein. En bouffe, on est pas mal. Alors, je voulais de la pierre, mais du coup, c'est du... C'est quoi? C'est du granit que je ramasse, là? Dans le minage, la partie la plus passionnante. Imagine un UHC. Un PVP UHC en stream VR. Ça doit être assez drôle. Des meubles cassés, des contrôleurs cassés. Et plein d'autres. Du gravier. Faut que je sache lequel c'est gauche, lequel c'est droite, parce que je vais mettre 20 ans. Hein. Gravier à l'appel. On va essayer de revenir vers notre faille. Hein. Ça peut être par là-bas normalement. Fais des flints comme ça. Ah, l'arc est peut-être un peu plus crédible du coup. Un peu de chance. Ah oui, ça va être chiant. Petite veine de gravier qui fait chier. Ah voilà. Où est-ce qu'elle est la faille? Passe du charbon. Là, on sent que le contraste est élevé. Les murs se colorent bizarrement. Voilà. Ah, bonjour. C'est du charbon. Prends le chemin le plus long. Ça met du temps. Hein. Alors, à chaque fois que je joue à Minecraft, quand un outil explose, j'ai peur. Là, en VR, je vais avoir bien le son sur les écouteurs. On va voir, ça dépendra du volume qu'ils ont. Il attendait, mais je pense que j'aurais pas fait gaffe. J'aurais eu un petit sursaut. Ok, on n'a plus de pioche, c'est pas grave. Est-ce que j'avais une table de craft quelque part? Je ne sais pas. On va en refaire une. Alors, prends les messages, je crois. Ah, j'ai un nouveau souvenir formidable, j'en profite pour regarder le chat. Et salut Snafu, comment ça va? Ça te fait pas mal à la tête la verre? Non, ça va, là, ça fait 1 heure que je suis sur Minecraft et ça passe. Mais j'avoue que hier j'ai passé beaucoup beaucoup de temps et j'ai pris un petit effervescent ce matin quand même. Mais là ça va, je suis bien. Ne t'inquiète pas. Donc comme tu peux le remarquer, je regarde les messages du chat que de temps en temps. On va s'étonner si je tarde à répondre. Alors, table de craft. Des planches, des planches. On va refaire une. Ah. Oui, parce que j'avais plus de pioche, mais de toute façon ça on va y poser. On va la mettre là. Et du coup, on va se faire. Est-ce que j'ai des sticks? Non, on va se faire des sticks. Allez, 12.
Et on va se faire avec cette nouvelle pierre. On va se faire une... Non, j'aurais pas dû mettre là. J'avais pas de stone. Pas comme ça la pioche. Ça me découvre Minecraft. On va s'en faire deux. On mangera tout seul, hein. Voilà. Allez. Peu plus de charbon. Ah. Contrôleur trop bas, il l'a perdu, du coup il m'a mis l'interface en position par défaut. À travers une torche. On continue plus bas, je pense, normalement en direction de la faille. Alors je suis. J'ai aucun sens de l'orientation. Impossible. En normal, si, mais en VR, peut-être pas. Aurait-on trouvé une galerie? Ou la faille? On va en mettre une là quand même. Alors, voyons voir. On va se mettre en sneaky, même si techniquement je peux pas passer sous ce bloc, mais ça va me rassurer mentalement. Attends, il est où mon bureau? Il est là, ok. Je me faufile entre mon bureau et le plafond. C'est pas la faille, ça, si? J'ai peur de me taper la tête, surtout que j'ai peur de me taper contre le bureau en fait. Câble derrière, hop là. Non mais c'est quoi? Mais non, ça c'est une hache, ça marche pas. Elle est où cette source d'eau avant que je m'inonde? Ah, bah elle est là. Attends, je suis toujours en sneaky? Mais là je suis dans l'eau en fait. Attends. Pas que j'ai l'oxygène, voilà, je triche. Je suis dans l'eau mais je suis pas dans l'eau. Attends. Ouais, c'est le rivage. Là c'est pas profond. On va aller voir. Ah, le courant, le courant, le courant. On se met en sneaky. Par contre, il fait nuit, je crois. Hein. Ah oui. Je vois à peu près où je suis. La source d'eau, elle est où? Elle est là-bas. Alors il est là, ok. Ah, du charbon. On va le choper. Non pas la faille. Attention, manip délicate. Attends, il est où le mur? Ah oui, je suis plus très droit en effet. Voilà. Je suis toujours en sneaky, donc c'est... bah du coup, on va essayer d'aller plus profond dans la faille. On va essayer de miner droit. Alors que ça... Allez. Enlever le sneaky. Tomber. C'est où mon bureau? Ok. Pas droit encore. Allez. Ok. Ça touche du sneaky, c'est bon. Ah, d'accord, ok. On sait faire un escalier, mais ça me semble compromis. Encore que, ça a pas l'air... Presque en bas, en fait, là. On va miner sur le côté. Encore tout à fait. Mais il manque pas grand-chose. Et non.
hein. Je vais pas poser des torches partout. Bon, il y en a qu'une. Il y en a qu'une. Ok. J'ai pas appuyé sur la bonne touche. Pourquoi il prend la pomme? Ah, parce que je peux cliquer sur... Ah, d'accord, je peux viser directement mon inventaire et cliquer sur l'outil qui m'intéresse en fait. D'accord, c'est pour ça que j'ai pris par erreur tout à l'heure les... Bon bah on fera peut-être comme ça sera peut-être plus simple qu'avec les gâchettes en fait. Alors là je vais placer une torche, paf et paf. Ouais. Pourquoi pas. Ah ouais c'est dur de voir le trait passer au travers. Ça doit être moins évident encore. Allez, on y est presque. On va avoir un escalier pour remonter au cas où que... tombe sur un creeper. Là, je regarde quand même assez... On est assez tenté de regarder au coin des angles aussi. présence hostile. Sortir l'épée au cas où. Hein. Bonjour. Pas sur la bonne gâchette en fait. Ouais. On va éclairer ce cul-de-sac. On est sûr que rien ne va spawn de ce côté. Forcément, c'est des blocs. C'est des blocs qui tournent. C'est les chats qui s'excitent. Ne t'inquiète pas. Ok, donc là par contre, je peux pas remonter. Hein. Côté. Ah, c'est bien noir là. Là, 100%, on n'y voit rien. Peur me tombe dessus et j'ai plus de torche. Ah, et du fer. Par contre, là, c'est pas du tout éclairé et ça peut spawn 100%. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter qu'on est en VR. On va sortir la pioche et on va miner tout en regardant là-bas. À du jeu? Allez vite. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. On est où là? Oula. Les phases de plateforme en VR. Ouh. Pas bien éclairé par là-bas. Hein. On a ramené. Ah merde, il y a du fer qui est là. Posons sous nos pieds, c'est le meilleur plan dans Minecraft. Air strat. Bon, il me faut des torches. J'ai du charbon. Peut-être genre par là. On aura le temps d'entendre les ennemis arriver. Ils sont... J'ai peur évidemment. La table de craft, je crois que je l'ai laissée là-haut tout à l'heure. J'ai pas besoin de table de craft en fait. Ah. Prendre des sticks. Plus loin dans la faille. Sac de torche. Je vais quand même me faire une épée en pierre. Et tout jusqu'à trouver la bonne. Épée, 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 il me faut des... Ah. Oh, oui. Ah, de la pierre, de la pierre. En fait, ressemble tous ces blocs pour moi. Voilà. Comme ça. Non, il me faut un stick, je suis con. J'ai plus de stick. Et pour faire des...
torche. Sur les pieds en bois. Et... Non, si, c'est bon. Ça y est. Détail est pas exceptionnel parfois. Endroit. Autant détailler. Ah bah voilà, j'ai une épée. Oh, cette épée, voilà. On va s'en faire deux, allez. On va peut-être très vite du fer. Ok. Un four. Enfin, chaque fois je tape dedans. Hein. On va commencer à faire fondre le peu de fer qu'on a. On fera pas grand-chose dessus, je pourrais me faire une épée à la rigueur. Et vous êtes toujours très sage. Vous êtes toujours là! Je me sens seul au fond de ma grotte. Bon, on se prépare à torcher. Bon, s'il y a un ennemi, je sais pas sur quelle gâchette va falloir appuyer. C'est de l'eau. Bonjour. Bon, petite salle qui m'a l'air safe, ma foi. Et plouf. Et ouais. J'ai vu plus loin que ça. Hein. Sécurisation terminée. Devrait être safe là. Un petit peu de charbon. Combien d'XP? 4. Il faudrait, ça serait plus du fer en fait. C'est bien pratique comme ça. En plus de temps que si on connaissait la course et qu'on avait tout bien placé idéalement. Bon, du charbon, on n'en a jamais assez. Ah! Bonjour. Oh là, mais la faille est bien plus basse ici, hein. On n'avait pas tout vu. Ah, peut-être que le... Ah bah voilà, du fer, il y en a là-bas. Si je pointe l'épée, on verra mieux là-bas. D'accord, donc en fait, soit on a une faille dans une autre, soit c'est le village qui... Voilà, je suis en haut d'une faille en fait. Soit c'est le village qui... Oula, j'ai une torche entre les jambes. Vous voyez pas où sont mes jambes, mais moi je les vois bien. Là, j'ai un peu chaud là. C'est pour ça que certains disent que je suis un peu chaud de la bite. Peut-être. Ça me gêne. Place-toi ailleurs. Tapez le mur. Je suis complètement... Ah non, ça va, je suis bien. Prends un peu l'endroit. Bon, en tout cas, on va pas descendre par là. Hein. Mais on pourrait faire un escalier de la salle où on est. Bravo, Miss. On va finir de récolter notre charbon, parce que finalement on a bien fait prendre ce level, on a trouvé une nouvelle faille. Niveau, je crois, oui. Perte d'équilibre. C'est ce bouton-là que je voulais. Ah bah voilà, du fer.
ma pioche elle est bientôt morte. J'avais d'autres minerais ici. Charbon. Ferlutumine. Ah bah voilà. Très bien. Oh, j'ai tout pris. Il y en a qui est tombé. Ouais, ok. Là. Voilà, un petit peu trop. Il y en a plein, là, du charbon. C'est quoi qui tombe là? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en dessus, peut-être? Faire un petit pont. En normal, je fais des je fais les simples, mais là, en VR, on va faire des doubles, hein. Dans le doute. Ah, le gravier. Et que ça arrive un jour. Et là. Il y en a pas qui est. Ah si, il y en a qui s'est tombé. Aïe! C'est où ça? Bon, j'ai déjà régénéré le cœur que j'ai perdu. Là, ça va, la bouffe a pas trop redescendu. Faire un petit surplus. Gravier! Ah, que j'étais à droite. Ouais, c'est bon, on a tout. On a tout, il y en a là aussi. Ah bah regarde, le gravier qui tombe bien, me ferait moins mal aux jambes. Déjà pété. Déjà pété. Et... Ah c'est pas mal en vert, hein, ça se joue bien, moi j'aime bien. Ça change. C'est rigolo et ça fait peur des fois. Ah non. Je le trouve. Bon, un bon stock de fer. Là, au début, je voulais juste revenir. Ah bah. Je voulais juste ramener mes deux blocs que j'avais trouvés et là. Je vois pas, mais j'en ai un. Pierre. Il va falloir discuter un peu là. Allez, deux lingots. J'ai pas les succès dans celui-là du coup. Je vois pas. Ah, mais je les ai peut-être. C'est pas les notifs. Faire du joueur 110, 7, en jeu 9h. Ah, est-ce que c'est le truc que j'ai fait aujourd'hui ça? Ah, mais non, d'accord. Ah, oui, il a mes vieux succès de Mojang, c'est ça? 2015. Ah, par contre, j'ai eu attaqué et tué un monstre. Ah, mais j'ai rien vu apparaître par contre. Oh, c'est bizarre parce que c'est censé être la version Windows. Ça va cuire gentiment. Hein. J'ai faim. Bon, ça va. Je vais m'asseoir sur ce bloc de pierre. Je vais me mettre contre ce bloc de pierre. Mais voilà. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de ce Minecraft VR? Même si je pense qu'il n'y a pas que des fans de Minecraft dans le chat. À manger. Ok. Quoi Ben Laden? Est-ce que j'ai beaucoup de moustaches? Pas une grosse barbe non plus. Ah, je vois ma bouffe. Inclinant mon contrôle. Ça a l'air sympa, ouais. Ouais, moi j'aime bien. De base, à Minecraft Windows 10, j'aurais pas rejoué parce que je sais que c'est une version moins bien que la version PC, mais là, le fait d'avoir la VR, c'est. Ça change et c'est bien. Ah, parce que je vis dans une grotte. Ah, bah oui, c'est la base. Alors, regardons un peu là-bas, c'est bon, il n'y a pas d'ennemis.
Tout se passe bien. En VR, ça va. Bah pour le coup, là, je suis vraiment tombé au pif sur l'application. J'ai regardé le magasin, puis j'ai vu. Enfin, je voyais les prix forcément en dessous. Je regardais s'il y avait un petit peu des trucs gratuits qui me paraissaient qui pouvaient être intéressants. Puis je suis tombé sur Minecraft, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas. Hein. Même s'il faudra peut-être que je le rachète dans 30 jours. Pourquoi pas, hein, pour la VR. On va dire qu'il y a des efforts qui ont été faits pour mettre ça en place. Puis bon, ça va être dans les 10-15, je pense. Jamais. J'ai vu en fait, enfin il y en a qui se plaignent apparemment du fait que ce soit une version d'essai, une version payante, et en fait j'ai vu qu'il y avait le système de Realms qu'il y avait déjà dans Minecraft de base et qui proposait des serveurs pour genre ouais un certain tarif par mois. Et quand même ta partie solo ou faire un serveur privé. Et du coup là tu vois justement quand tu crées un monde tu vois le fameux Realms, mais à côté tu as créé une partie où t'as pas de temps indiqué de période d'essai ou de trucs comme ça, donc je pense qu'il est gratuit, mais peut-être que on sait jamais, dans 30 jours on aura peut-être une surprise. Ah, ça a mis en pause, hein. Qu'est-ce qu'il a envie de tomber, hein. Allez, on va regarder où ils en sont. C'est la go de métal, puis on va commencer à se faire peut-être pioche, armure, des trucs comme ça. Hop. Je passerai vous voir après la cuisson et le craft. Ah bah, moult lingots. À combien de niveaux là? 5? Enfin, des nouveaux enchantements. Ok, donc, table de craft. Ah, je me suis pas trompé le bouton, c'est quand ça rentrait ou pas. En même temps, j'ai dû réfléchir un petit moment. Ça vienne. J'ai fait deux épées en pierre, on va pas faire d'épée en fer tout de suite. On va essayer de les passer. Bon, par contre, c'est l'embout, on pourra l'acheter. Super, voilà. C'est comme dans le vrai Minecraft. Par contre, on va finir notre pioche en pierre, mais on va faire une d'avance en fer. On va se faire aussi pelle en fer. La hache. Allez. Si on les garde trop longtemps, soit en bois on les jettera. Et les armures du coup. Il y a des boucliers dans celui-là. Pas existé encore. Sur... Là, il y a toutes les armures. Un briquet. On verra quand on en aura besoin. Allez, un casque. Une armure. Et j'ai pas assez pour le reste. Je suis en train de cuire. 5. Est-ce que ça ira? Ah. J'ai pas faim. En jeu. Il va me manquer quoi là? Les jambières? Non, les jambières je peux, mais je pourrais peut-être plus. Ok, bah il me manquera les jambières. J'ai pas de pantalon. C'est comme dans mes autres streams. Ok. Ça ouais. Ouais, voilà. Ah bah si, il y a un emplacement pour bouclier, alors pourquoi ah, j'avais peut-être pas les compos. Le truc il est tellement dans une mise à jour moindre en VR que du coup il y a le Windows 10 qui a les emplacements du coup pour le bouclier, mais il y a pas. Alors je les reconnais pas. Par contre, on a des flèches en santé, flèches de soins sur quelqu'un et ça le lui rend, c'est pas lui. Oh, faut que je fasse un arc. Ah, il me faut du fil, faut que je bute des araignées. Je trouve un mine shaft avec des toiles d'araignée. Ok. En tête les objets. Ok. J'ai 100 en armure, très bien. Pas fait d'épée du coup? Bon, faut croire que non. Je dis que j'attendais de les passer. Ok, bon. On va essayer de descendre un peu plus bas dans notre ravin.
que quand je vais enlever le casque, mes cheveux, ça sera n'importe quoi. Ah, je mange le mur. bon, on va creuser là au pire. On va commencer à creuser à droite, puis on ira petit à petit à gauche. Mais je pense que de toute façon, vu que la faille elle fait en comme ça, on va là-bas, on va finir par tomber dedans. L'expérience est sympa si vous voulez que dans un petit moment, peut-être quand on aura fait les 2 heures que je pensais faire, si vous voulez qu'on essaye de voir pour un autre jeu, on pourra essayer, mais faudra voir si le setup et faudra voir si c'est streamable, c'est sûr. Mais tous les jeux en VR ne fonctionnent pas pareil. Là, en l'occurrence, sur Minecraft, vous avez une fenêtre qui apparaît de l'or. Est-ce que je peux miner l'or avec la pierre? Vraiment non. Alors, c'est tombé. Mettre en sneaky. Petit bloc d'or. Ah bah non, bah je suis baisé. Faut que je prenne la pioche de fer. Et Mathieu. Ah bah non, Mathieu il a dit qu'il partait à 21h. Lui qui joue un peu à Minecraft, aurait bien aimé son avis en fait. Je réfléchis. Comme ça. Et là, normalement, je l'ai. Ah, cool. J'ai enlevé le bloc de sol. Chut! Ok. C'est bon. J'avais vu du charbon. Attends. Chier. Un peu de sol. Bon, mais c'est du charbon, c'est pas grave. Où est-ce qu'on le reprend notre escalier? Parce que bon, on va le grimper, le descendre plusieurs fois, donc le fer au bord, ça me rassure pas des masses. Vous êtes où? Vous êtes là-bas. Donc, voilà. Là, je suis face à vous normalement. Donc ce que vous voyez, ça pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le Guardian. C'est un petit logiciel. J'arrive pas. Oh mon dieu, mes mains, les bras m'en tombent. Attendez, attention, hop là. Hâte l'extérieur. Et la mouche qui chatouille. La mousse qui chatouille. Donc ça, c'est le Guardian. C'est un truc que vous faites quand vous faites le calibrage de votre capteur et qui vous permet justement de délimiter votre zone de jeu. Et là-dedans que je peux techniquement marcher, là nous avons une petite tour assez dégueulasse sur la webcam. Et là-bas, là ça c'était bon. Et normalement, vous, l'écran il est par là. Mais là je sais que j'ai une marge de 10 cm avant de toucher l'écran, puisque les capteurs, je les verrai pas si je... Il y a un capteur par là-bas, il y a un capteur par là-bas. Ah oui, mais là il y a le bloc de pierre qui me fait chier. Un peu plus loin là-bas. Et du coup, ils ne peuvent pas voir justement ce qu'il y a vraiment. Et là, du coup, on a le mur du bureau, mais juste par là, on a le bureau qui arrive quelque part par là. Ah bah, l'interface est sur le... ça limite le bureau. Il y a la Xbox One. Je vous donne un peu l'idée de l'espace que j'ai. Voilà. Et donc, du coup, en fait, c'est en déplaçant le capteur le long des zones, on définit la zone. Vous voyez, c'est très... Là, normalement, juste là, il y a un écran. Donc, quand vous approchez justement d'un des bords, il y a justement le mur qui commence à s'estomper. Donc, pour vous avertir que, attention, vous allez taper un truc. Vous allez sortir du en fonction. Petite protection bien pensée. Mais bon, comme je dis, il y a beau y avoir le mur du Guardian ici. Le problème, c'est si je me limitais à vraiment la vraie place que j'avais, bah du coup, j'avais pas assez de place et du coup. Mais normalement, si on va par là, on devrait percuter le micro et vous allez entendre un bruit. Voilà, juste là, il y a le micro, donc faut que je fasse gaffe à pas taper dedans. Mais je sais qu'il est là, donc par rapport au mur, je sais qu'il est. Et là, j'ai défini la zone la plus petite qu'on pouvait définir. Normalement,
En espace optimal, il faudrait peut-être un mètre ou deux. Bon, un mètre et un demi-mètre sur la longueur, la largeur en plus pour que ce soit optimal et que je puisse faire les jeux pièces réelles. Torche, on va la mettre là. Là. Super. Et on reprend notre descente. Pense qu'on n'est pas assez bas par là-bas. Problème, c'est quand je passe à travers l'interface, c'est pour ça que ça coupe. Le risque de... Oh, de la lave. On va être content d'aller dedans. Risque de changer d'outil et de faire n'importe quoi. Alors là, c'est très bien éclairé. Ça attendra moult spawn. Écran. Voilà. La lave qui est claire. On arrive au fin fond de cette deuxième faille. Alors là, il y a de l'eau qui va. Ah, bah, je suis droit. Oh, qu'il faire. En ce moment, je suis droit. Ah, vous êtes là. Ok. J'aimerais qu'il y ait un peu de travail. Au moins, là, on peut grimper. Ah, c'est haut! Là, vu qu'on est vraiment immergé dans le monde et qu'on sait quelle taille on fait par rapport, on fait genre deux blocs de haut. Hein. On fait deux blocs de haut et donc là on se rend bien compte de l'immensité de la faille. C'est vrai qu'il faut quand même y être pour voir les sensations parce que j'ai vu des vidéos de gens qui jouent en VR, mais c'est vrai que. Quoi que t'es dedans, c'est pas tout à fait pareil. Envie de marcher dans l'eau. Il y a plein de. Cobble. Ah, je crois que je vois le jour. Est-ce qu'on reviendrait pas vers le village? Parmi des trous. Très grand bras. C'est Arms en fait ce jeu. Arms VR. A coupé la source carrément. Voilà. Ah oui, je suis arrivé au bout de la faille en fait là. Petit peu de fer. Il y a une araignée qui tombe du ravin. Ah, de la flotte. Alors, en général, on fait les tours en boue sur Minecraft, c'est-à-dire qu'on saute et on pose les blocs. Oui, forcément. La fonce, ça marche pas. Marche aussi en VR. C'est beau. Ah, attends. Là, quand on mine un bloc qui est au-dessus de nous, le risque c'est d'avoir du gravier. Donc en général, on évite de le faire. Mais là, techniquement, on n'a aucun moyen de savoir s'il y a du gravier. Sauf si je me mets à être liste et à marcher dans le vide. C'est bon, tout va bien. Ok, bon, il y a eu le gravier, il me serait tombé dessus quand même, hein, même si j'étais pas dessus. L'avantage d'avoir une grande zone de jeu. Peut-être d'avoir nos pieds et des jambes très flexibles. On a vu à travers le bloc, tout va bien.
Bon, bah on va regarder de l'autre côté ce qu'il y a. Y a de la lave, ça on l'avait vu. J'ai eu lui faire. Bah c'est, je pense. Non. Ok. Bah si, là-bas. Ah mais d'accord, c'est que. Sorti de notre champ de vision. Alors, de la lave. Ah, j'ai pas de seau, c'est bon. On va essayer de faire comme l'eau, mais c'est déjà plus risqué, quoi. Ça a l'air, ouais. Va me boucher. Ah oui, parce que... Ah oui, parce qu'il y avait un bloc derrière, ok. À essouffler pour que ça fonde plus vite. Petit charbon! C'est pas qu'un d'ailleurs. Là, j'ai de la lave au-dessus, c'est très rassurant. Il suffit que je pète un bloc et pouf, je rouvre la chute de lave et on est bien. Encore là-bas. Oui, là aussi. Là-bas. Bon, ce bloc, ça risque rien. Passe un petit escalier quand même. Et où que je dois remonter en urgence. Passer à travers le mur là. C'est trop haut. Fait que j'ai des longs bras, mais quand même. Faire encore, mais je pense qu'au du fer, on a de quoi faire. Oh, petit diamant. On va mettre bien en vue celui-là. Des trucs qui sautent de la lave. Par contre, ça spawn zéro, hein. Et de la lumière là-bas. C'est un mineshaft, je suis content. Ça va faire peur, mais je suis content. Bon, on va faire une première remontée. J'ai un diamant, je voudrais pas le perdre. J'avais un diamant. Un jour. Là-bas? Ah oui. Faut sécuriser le diamant parce que s'il y a de la lave en dessous, bah on risque d'être baisé. Manger une petite pomme. Je me frotte le sexe avec la pomme. Hein. Tout va bien. C'est normal. Ah, deux diamants. Trois diamants. Quatre diamants. Faire. Attends. Part sur 4. Voilà, pour la veine sécurisée, je pense. Parfait. C'est bien le fer, ok. Regardez la couleur de la pioche. De celle-là. Ça, c'est pas une pioche. Ben, voilà. Le fer.
Et le 2. Et le 3. Parfait. Dans celle-là. Où j'ai plus que c'est l'enfer normalement. En fait, j'irais beaucoup mieux en choisissant comme ça. Personne? Ah! Un peu décalé. Alors. Ah, vous avez beaucoup parlé. Ouais, je suis sûr sur Arc. Je suis sur Arc, mais je suis toujours. Hein? Je suis toujours pas là. Je devrais le rejoindre. Oui, mais tu regardes le stream du coup ou. T'arrives quand même à te faire un avis sur le jeu. C'est ça. Attends, je me. Vous me voyez plus. C'est ça qui, pour moi, fait qu'on devrait essayer de promouvoir la VR bien fait et pas abandonner comme la Vita, ça comble le petit manque d'immersion. On a actuellement, tu dis ça par rapport à quoi quand je regardais un petit peu le fait que je parlais de l'immersion, on voit bien la hauteur de la faille, tout ça. Ça va, c'est Rania, la cinétose et le giveaway de la semaine sur Contraption Maker. Oui, il regarde. Bah, du coup, il ne nous a pas donné son avis. Ok. Fais-moi un petit espionnage, Kero, tu me diras qui c'est qui avait, parce que du coup, je vois juste des numéros, mais. Pas. Je peux pas espionner. Si on avait bien. Ah ouais, t'as longtemps ma question. Ou alors je demande ça toutes les 2 secondes, peut-être. Ok. Et ben allez, on va remonter ces diamants et on fera peut-être un peu d'exploration à l'extérieur. Ou non, j'ai bien envie de voir ce qu'il y a au bout de la faille parce qu'il y avait l'air d'y avoir de la lumière. Si ça se trouve. Ah, on a un mineshaft. Ou alors c'est. On retombe sur le jour. Où il est où mon escalier? Je crois que c'est plus loin. Je vais sécuriser un petit peu mieux cette lave. Pratique de pouvoir lever les bras pour. Pardon, aller plus haut. Enfin, je vois le serrage de mon casque, je pense qu'il a dû se lâcher un petit peu. J'ai le casque qui me tombe un peu sur le nez. Alors là, les escaliers où on se pète la tête dans Minecraft sans connaître bien, bah ça n'a pas changé, hein. Je me pète pas la tête pour de vrai, je vous rassure. On sent bien les mouvements de caméra qui. Et les sons qui toquent. Dès qu'on touche une paroi en pierre. Alors, je dois avoir un peu de matos ici. Ah, je pose un bloc. On va laisser un peu de charbon. Ouais, c'est un peu de charbon ici, ouais. En unité, allez. Ok. T'es allé là-bas, du coup? Non, même pas, hein. Mais bon, si... C'est nuit. Là-haut, je pense que... Ça marche. Être. Ah mais non, c'est les étoiles, c'est pas des torches. Je n'en pas? Non, je ne. Pas rassuré. Mais c'est où là? Ah, c'est là-bas. J'avais traversé l'eau. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bonjour, monsieur. Ah, le courant, le courant, le courant, le courant, le courant. Le courant, le courant. Hashtag le courant. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Vous êtes perdu? Non, attends, je peux te parler, je crois. Alors, attends, faut pas que je te tape. Ah bah. Ah oui, d'accord. Je lui disais, ben, il donne des joyaux directs. Mais non, c'est que l'interface était au-dessus.
D'accord, donc on peut toujours échanger des émeraudes. Ah, bonjour monsieur. Ouais. Quel enfer, délicatesse. Ah, ça doit être silk touch, peut-être, solidité. Et juste ça. On verra après. Hein. Oh monsieur. Vous avez du fer là-bas et du charbon. Vous voulez vous réchauffer pour le fer? Vous avez de la lave aussi, accessoirement, faites gaffe. Va tomber dedans. C'est où? C'est quoi ce truc vert? C'est un arbre? Oula, faire d'équilibre. Ah non, c'est le ciel qui fait des ronds de différentes couleurs. D'accord, ok. Attends, je referme le mur parce que j'ai. Oh, voilà, ok. Là. Et du coup, l'endroit d'où on vient, il doit être. Ah bah, il doit être là où j'ai mis mes blocs. Ah non, c'est là. Et plouf! Ah, c'est là. Hein. Ah, ça fait bizarre. Taper dans le vide, vide. Là, j'ai une table de craft qui traîne. On va la récupérer. Je sais pas quoi elle va me servir, mais. Elle ne me sert plus à rien. Et chope la table! Chope! Je peux l'attraper avec le bras. D'aller vers elle. Là, il fait jour, maintenant c'est juste les blocs de sable qui brillent intensément. Sable qui fait bruit, on est d'accord. Oh, vite, à l'abri dans la maison. On va faire dodo. Ok, on va d'abord gérer l'inventaire, puis comme ça il fera jour quand on partira. Alors, qu'est-ce qu'on laisse? On s'en fout. Ça c'est une poubelle. Ah, ça sent pas mal. Alors. Ah! Première fois que je me trompe de touche. Je rappelle pour ceux qui étaient pas là au début. Ah, il y a un coffre là-bas. Ah! Portrait de Creeper. Faut pas ce qu'il y a derrière l'écran. Attends. Ah, mais je vais clipper à travers le canapé 100%. Aïe! Ah non, ça va. Ah, bah il y a un autre canapé. Ça, c'est le mode cinéma. C'est un petit peu moins immersif. Mais peut-être un peu moins vomitif. Ok, je suis droit comme ça. Du coup, je vais mettre ça. Ouais, c'est bon, ça va dans la poubelle. On va jeter d'autres. J'appelle. Ah, c'est pas tombé, mais je l'ai pas repris. Ah, c'est bon, on va tout garder. Hein. Ok. On va quand même stocker des choses. Ah non. On prend la moitié. L'or. Ah, je peux peut-être me faire une boussole, une horloge. Faire à faire fondre. Épée en pierre. On va les garder. Oh, ok. Ah bah les pommes aussi je peux les garder. Ça me fera de la bouffe. D'ailleurs j'ai faim. Ça va. En armure je suis à 5 sur 10. Le charbon. Ah c'est plus carré. Il restait quelques pièces de stuff à faire. Je fasse une épée. Ah non, je voulais le sable en fait. Mmh.
Voilà. On va s'en faire deux, mais je vais pas se faire. Partout. Ah, une deuxième pioche en fer. Voilà, là on est bien équipé. J'ai l'impression de présenter la météo là. Alors là, vous pouvez voir. Conscience d'être sur le côté. C'est bien que j'arrive quand même à me repérer dans mon monde réel sans repère. Ah si, j'ai le repère parce que j'ai le... Je triche. On va attendre que le fer y fonde. Ah, j'aurais dû me faire une pioche en diamant, je suis con. 4 diamants. Bon, on va les garder et puis on... Ah, je peux peut-être me faire les jambières, non. Pierre, il faut... Pas, ah, il faut... Ah, j'allais me faire une pioche en diamant. On la fera, on va la faire et au pire tant pis, on aura 3 pioches en stock. J'ai plus de stick. J'ai un succès qui apparaît quelque part, non? Bah du coup il fait jour finalement, on n'aura pas besoin de dormir, on voit le soleil qui pointe le bout. Ah non c'est un nuage, qui pointe le bout de son nez j'allais dire. Bon j'ai un diamant, on va pas se faire une pelle non plus. On va stocker celui. Il en reste. Ah mais j'en ai deux en fait. Ah oui j'en avais trouvé un dans la maison là-bas. J'ai deux. Je vais me faire une épée aussi. On n'aura peut-être pas besoin tout de suite de l'épée en diamant. Hein. Mais elle sera faite. Allez, je chope les sticks. Pour pas. De l'or. Nous allons faire... Il nous manquait les jambières. Ok. Voilà. Faut le faire. Fait 7,5 d'armure. Très bien. Parfait, parfait. Du coup, l'or. Ah, c'est ça. Et là, du coup, je vois des crafts en... La montre... Ah, on n'a pas de redstone encore. Pour la boussole. Ah, bah, c'est avec du fer, mais il faut aussi de la redstone. Ouf, la boussole, bof, mais la montre aussi, ouais. C'est pratique, sous terre. On a les bannières. La pomme dorée. Ok. Ah, par contre, Kero, ce qu'on peut faire, c'est... on peut faire des rails dans Minecraft et des power rails, et on peut faire aussi tout un chemin... un chemin de rails. Ah, j'entends pas les alertes, du coup. Et oui, parce que du coup, elles sont sur le casque, l'autre casque. Donc, du coup, c'est la baisse. Faudrait que je trouve un moyen. Bah, de toute façon, au pire, je pourrais mettre le Rift en périphérique audio. Et du coup, bah, merci Sid pour le host. Et re. Sid m'héberge, mais tu me le dis, mais c'est pour ça que je te voulais en vocal. C'était pour. Ah, bonjour, monsieur.
Peut-être comme chez vous. Enfin, c'est peut-être chez vous d'ailleurs. C'est pour ça que je te voulais plus en vocal. Il a pas le chat sur son casque vert, bah non. Et salut Cocoromicron, comment ça va? Apparemment, si je regarde à droite, oui. Ouais, oui, j'arrive à regarder à travers le. En regardant par mon nez. Mais c'est pas forcément évident. Vu que ça parlait pas trop, je regardais moins. Non, donc je lis détails en même temps que je vous regardais sur un écran chacun. Ça doit faire mal au cou. Bon, ça va. Kero, c'est l'audio description. Ah non, parce qu'il n'est pas là. Bon, allez, des bisous. Bah, des bisous, Sid. Eh ben, ça va très bien, Kokoro. Eh bien, ça met bon, allez, des bisous. Et après, votre ami Sid vient de rejoindre la diffusion. Normal. Je peux peut-être essayer de passer le. J'ai peur que ça fasse tout bugger. Essayer de passer le. Le périphérique par défaut d'OBS avec le Rift. Je suis toujours là. Oui, mais t'es là en écrit. Alors attends. Problème, c'est qu'à chaque fois, il faudrait que je fasse un stream VR et pas VR, il faudrait que je rechange. Si je mets périphérique audio du bureau. Ah, après, on risque de plus avoir son de Minecraft, mon pire, on quitte, on revient. Casque Rift audio. Donc là, techniquement, vous entendez peut-être rien. Ou tout. Parce que, au pire, si vous entendez toujours le casque, l'ancien casque, c'est bon. Appliquer. Ok. Apparemment, vous entendez le jeu. Je parle de voyager avec mon pote Sloven. Ne me fatiguez, je reste branché partout. Alors, du coup, si je refais un petit test d'alerte. Ah, ben non, faut que je passe aussi le Rift en par défaut. Ah, c'était en faisant cette manip d'ailleurs, en passant Rift par défaut, qu'on avait perdu le. Vous aviez perdu le son du jeu. Mais vous l'avez toujours, parce que. Parce que maintenant, le périphérique d'OBS est devenu le Rift. Du coup, si je active une alerte à nouveau. Je l'entends. Donc après, il ne me reste plus qu'à vérifier ce que c'était. Ok. Bon, bah, on va faire comme ça. Bon, il faudra juste changer à chaque fois qu'on fait de la VR. Ou je change de casque. Ok. Et du coup, vous êtes 9. Et bah, du coup, j'ai peut-être pas entendu les loots aussi s'il y en avait. Mais j'aurais vu les pubs, je pense. Bah oui, j'aurais vu les pubs dans le chat. Et là, du coup, j'entendrai loots. Formidable. Ok. Et ben allez, on est reparti. Alors, nous avons fait faire fondre de l'or, du fer, tout ça, plein de choses. Nous avons tout notre charbon ici, oui, pourquoi pas, on en a stocké dans l'autre four tout à l'heure. Il y a quelqu'un là? Ils sont partis les gens. Tiens, je vais. Je crois qu'il faut des planches. Je vais reboucher leur trou quand même. Ça me fait de la peine. Bon, ça va se voir de l'extérieur par contre. Et au pire. Bah non. Ah si. Il y a un trou. Ça va, c'est des trous en cobble. Voilà, et là on a un bloc qui flotte sur les murs. Voilà, ok. Ça me détecte. Voilà. Donc du coup, si le système de faim est en place, il faudra peut-être que je me prenne à bouffer. Ah, bonjour la witch! Comment allez-vous? Restez là-bas, hein? On va venir s'occuper de vous. Les alertes sont un peu fortes dans mon casque horrible, je sais pas ce que ça donne pour vous. Et merci Ghostana pour le follow, tu gagnes des niveaux d'évolution. Merci et bienvenue à toi. Tu as des questions à poser, tu peux le faire, mais je répondrai peut-être pas forcément tout de suite. Là encore, l'alerte m'a réveillé. Là, ça se coua bas là, bah oui.
Faut bouger la tête en même temps que moi, ça marche mieux. Oh cool, une personne sur VR. Eh oui, on découvre. Enfin, on découvre Minecraft, non. Mais on découvre plutôt la version VR. Et pour nous, c'est normal. Tu l'as mérité, j'ai jamais vu une personne sur Minecraft en VR. Eh ben, à vrai dire, moi non plus. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Pourquoi pas voir ce que ça donne, et c'est vrai que les sensations sont là. Au pire, je fais un bip sur Discord. Mais non, parce que de toute façon, j'ai désactivé les notifications, évidemment. Quand je suis un streamer sérieux. Bon, la Witch est toujours là. Nous allons prendre un peu de dirt. De faire un petit pont. Que j'avais pas envie de me casser la gueule. Alors. Voilà. On va replanter, hein. On va être gentil. De la bouffe, mais on est éco-responsable. C'est quoi ça? Ah, bon, tant pis pour ça. Quoi ça? Attendez. Ah, de la betterave, mais c'est nouveau ça, je connaissais pas. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec la betterave? Betterave en crudité, peut-être. Calme-toi. Et pas des coups de hache dans le champ. Alors attends. Congestion. Inventaire. Menuing. On va me replanter une betterave. Hein. Ça c'est pas mûr. Ça on peut le choper. Bon par contre Minecraft c'est pas notre programme habituel, hein, je préviens. Mais vu qu'on vient d'avoir un casque VR, bah on en profite un petit peu. Je fais la semeuse. C'est pas mal. Ça rend plutôt bien. Ah, pardon. J'ai juste changé. Ah, voilà. Stock d'inventaire. Récupérer cette graine. Ah, c'était pas prêt, ça. On va marcher dans le champ, tant pis. Tant qu'on saute pas, je pense que c'est bon. Ah, ça enchaîne pas aussi facilement en fait que dans le vrai Minecraft. Si je vais pas assez vite, ça marche pas. Genre je fais pas la bonne touche. Bon. Mais des fois ça coupe, je sais pas pourquoi. Ok, on va aller chercher le blé là-bas, puis je pense qu'on aura de quoi faire. Ah, alors que. Un Enderman. Ah non, faut. Ah putain, les Enderman qu'il faut pas regarder dans les yeux. Je te regarde du coin de l'œil. Ah. C'est épais. Ah, les Enderman, je sens que ça va me faire flipper par contre. Ah bah oui, regarde-le. Ah, c'est horrible. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Oh, je regardais un truc, tiens. Ah, zéro clip, vous me décevez. Ah, perdu des creepers. Attends, je vais pas péter votre champ. Ça va péter. Aïe. Bon, bah, il y a un morceau du champ qui a pas survécu, je pense. Là-bas. Qu'est-ce que j'ai cassé? Bah, y'a rien qui a cassé là. Y'a pas de bloc. Y'a pété où? Ah, ma vie, ça va. Je ne te regarde pas. Deux archers squelettes, je pense qu'on va rentrer. Hein. Y'a pas vu. Évidemment. Bon, on va remonter quand même. Ah, pardon. Du verre. Ah, un creeper, non, c'est juste du blé qui a pas fini de pousser. C'est ça, vivre. Le blé qui tombe dans l'eau, c'est pas un ennemi qui tombe dans l'eau. Je vais rassurer à faire mon champ là, ça sent. J'entends des gens qui marchent à côté de moi. J'espère que ce sont des habitants. Et merci Arkprod pour le follow et bienvenue à toi. Moult bisous. Je te regarde dans les yeux, haha. Bah non, on s'en fout. Lui qui me regardait pas.
avec la porte, hein. Je viens de la changer. Respectez-la. Maintenant, en ce moment, ça va mieux qu'en laissant appuyer. Donc, on va faire comme ça. Là, je pourrais aller dormir, ça serait tout de suite moins stressant. Quoique, il y aurait toujours les creepers. Hein. Donc, finalement, c'est vraiment eux qui seront les plus gênants. Au pire, je vais ratisser tout le champ, ça évitera de changer de l'inventaire toutes les deux secondes. Ah non, je sais pas regarder. C'est faux. Ah, sa mère. Je me casse, je vais mourir. J'essaie de mettre mon inventaire pas très loin. Peut-être mort. Allô, je te vois. Ah, je te regarde, tu n'es plus rien là, hein. Prends ce bloc de sable. Attends, avant que ça dépop. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ah, c'est mon lit. C'est mon lit dans votre maison, mais ça reste mon lit. Ah, j'ai vu mon bras partir. Ah, c'est vrai. Ah bah merde. C'est bon, les monstres se sont éloignés. Vite, le staff. Brûlez squelette, s'il vous plaît. Ah, on va s'amuser à trier tout l'inventaire. Aïe, aïe, aïe. Je vois des flèches me passer à côté. Bon, j'ai tout. Ok. On se revoit dans un moment, hein. Là. On est safe. Eh Witch qui te dit yo, je te suis quand. Bah, finalement, on l'a pas vu donc ça va. Si tu veux, je peux faire un clip d'un instant normal du jeu en série. Ah, comme Ken le cool, formidable. Merci beaucoup, Kiro. Oui, ça je l'avais déjà lu d'ailleurs. Oui, tu l'as dit deux fois. C'est pour ça. Rivalerie en vert, tiens, ça doit être drôle. Oui, ça peut. Quand tu te sens te faire transpercer. Oula, mais vous êtes. C'est fou. Bienvenue à vous. Installez-vous. Ok. Bon, déjà, on va ranger l'inventaire. Ça va nous occuper un petit peu. Alors. Si je fais ça. Ça l'équipe tout seul, parfait. Il manque mes bottes. De toute façon, contre l'Enderman, je pouvais rien faire. Hein. Oh, si j'aurais pu essayer. Donc, si on avait quand même l'armure en fer, on a quand même bien ramassé. Hein. On va peut-être dû essayer de taper. De blé. De betterave. J'ai une table de craft, oui, pourquoi pas. Plus de torches. Je vais les ramasser ou j'en avais vraiment plus? Ça m'étonne. J'ai envie de le péter ce coffre. Hein. Je vais regretter quand je vais y arriver. Ah, du coup, forcément, en bouffe, je suis bien. J'ai décédé récemment. De craft, je sais pas ce que je vais en faire. Hein. Bon, rien. Ok. Faire un peu de pain. De beaucoup. Pic, pic. Voilà. On bouffe, on est bien. Par contre, c'est mes torches qui m'inquiètent. Je trouve elles sont tombées dans la flotte. Je vais voir ça.
Et il faudrait que je me fasse un arc, mais pour ça, il faudrait que je tue quelques araignées. Il y a des trucs qui ont déjà poussé. Oui, mais c'était pas tout passé. Je peux cliquer droit et pareil. Oui, je peux faire comme ça, comme en vrai, mais je pense pas que ça marche. Là, je change de slot. Ah, non. Reviens. Moi, je dois pas pouvoir parer. Hein. La touche. Là, en plus, il y a cette touche qui fait rien, au final. Ils vont jamais sortir de là. Hein. Je m'éloigne, est-ce qu'ils vont me chercher? Ah, attends, il y a du stuff là. Ah, il y a du stuff qui vient de disparaître. Donc ça se trouve, mes torches avec. Oh, ça va, je perds. Ah, bah si je perds qu'un demi-coeur, ça va au pire. Je surveille ma vie. Ah putain, mais par contre, si je tombe, je vais mettre du temps à remonter en fait, c'est ça le problème. Bonjour. Aïe. Ah, je les brûle un peu. À couvert! À couvert! Je me cache, je me baisse, mais ça sert à rien. Ça changera pas ma hitbox. Non, tu me vois pas. C'est faux. Ah, bonjour, tu ouvres d'air, tu me gênes. Bien, je l'ai vu. J'ai peur d'avoir de creeper au loin. Il bouge pas, hein. Le problème, c'est qu'il recule. Bonjour. Bon, je tente un rush. Hein. Fais ton rush. Je suis sur place. Et en plus, je fous en l'air tout le champ. Bon, on va les laisser. Hein. S'ils bougent pas, ils bougent pas. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas vu. Non. Pas le moment d'aller. D'aller voir ça, quoique. Bon, pas là. Pour ceux qui n'auraient pas vu ce village, j'ai fait juste au-dessus d'une faille. Et on verra la séparation. Et on la sent la hauteur. Et là-bas ça brûle. Oh, s'il y en a qui me loot un arc ou des flèches. Oh, si c'est possible. Non, pour qu'ils lootent, faut que je les achève. Et ils vont mourir avant que j'arrive. Mais c'est un zombie en fait. C'est pas trop. Ah bah lui il est mort. Il a looté quand même. Je... Il est mort juste sous ce bézieux. Des os, ça pourra servir. Même si là en agriculture on a de quoi faire. Hein. Ah, je trouve des araignées en fait. Je peux faire un arc et au moins je pourrais les... Brasser deux sans problème. Alors je rappelle, il s'agit de la version Windows 10 de Minecraft, donc du coup, il n'y a pas les dernières mises à jour qu'on peut avoir sur la version PC traditionnelle. Moi c'est bon, j'ai du pain. Tu peux vivre tranquillement. Bon, pas d'araignée apparemment. Bon, au pire, ils attaquent pas les villageois, ils n'attaquent pas. On va finir notre récolte qu'on avait initiée. Donc, ouais, les Enderman, là, faut encore moins les regarder dans les yeux avec l'Oculus. Ça pardonne pas, là. Même si c'est pas sur le centre de la vision, ils sont vénères. Ah, a plus de graines. Pas d'autres stacks. Bon, tant pis. C'est pas grave, on a de quoi faire en pain. Elle est bizarre, cette... lecture, là-bas. Bon. Je vais regarder autour du village, voir s'il reste des ennemis, notamment des araignées. Elle ne brûle pas. Ah, on a aussi un autre ennemi qui brûle pas, qu'on a vu au fond. Peut-être. Bon, est-ce qu'on essaye de se le faire, Stenderman? Je ne regarde pas, je ne regarde pas. Ah oui, mais si je regarde pas, je vais pas voir le creeper aussi. C'est épais, j'ai vu. Je vais vraiment dans le coin du champ de vision, là. Je sais pas si vous, vous le voyez, si vous avez le même champ de vision. Par contre, le creeper, ça m'inquiète. Il y a des pops ou... Bien. Regardez en bas, regardez en bas. Il est où? Il est là. Bonjour, je te regarde dans les yeux. Il est là, il est là.
Ah bah. Stéréo, ça aide aussi. Oh putain. Il m'a eu. Ah ouais, il m'est cher quand même. Hein. Ah, c'est une côtelette. Deux cœurs quand même, le dégât. Il m'a looté quelque chose. Par perle ou même pas. Au moins, il ne fera pas chier. Non, il a vraiment rien loot. C'est pas rassurant de... Non, à l'envers, j'ai oublié, je tournais dans tous les sens. Là, on est obligé un petit peu de regarder des autres côtés. Je sais plus où est le mur. Avance un petit peu, tiens. Un os. Et le creeper, du coup... pas trop où il a fini. On va regarder le long des côtes quand même, qu'il ne soit pas passé en contrebas et qu'il rentre par surprise. On est un zombie. Il doit être en dessous. Il va se coucher. Ah, moi je tombe dans un trou. Heureusement, c'était pas profond. Allez, avant que le soleil se couche. Ça. Oula, il y a du monde. Où j'en étais. Et salut, Shark Riser, comment ça va? Merci pour ton faux don. T'inquiète d'en faire une vraie. Ouais, une vraie, tu pourras gagner des cocos. Je voulais tester LOL, mais si j'avais une carte bancaire, là je ferais un don, mais sache que tu peux faire point d'exclamation loot si tu auras un petit lien qui permettra de faire gratuitement un don en échange d'une pub. Oui, bien sûr. Allez. Hop là. Ah non. D'accord, ok, j'ai mal lu. Ok. Alors que la nuit tombe. Mais elle est tombée. Du coup, on va retourner vers la faille, je pense. La spawn. Squelette. Ah mais non, mais il y a une grotte en dessous, je pense. Facilement. Ah bah il est là le creeper. Ah bah il y en a deux. On va faire celui qui est par extérieur, on va éviter de péter les maisons. Tant qu'il me voit pas lui. Là, il y en a même trois. Aïe. T'as pas vu. Ah bonjour. Ah va falloir vite rentrer là par contre. Pète le trou, ça fera moins de côtes. Et le squelette là. Il y a toujours les deux squelettes là-bas. Ah, excusez-moi, j'ai failli vous taper. À cause du stress. J'ai raté. J'ai réussi à prendre de la terre avec de l'herbe dessus. Monsieur, je voudrais ouvrir mon coffre, s'il vous plaît. Ça vous dérange pas? Parce qu'il m'empêche vraiment de l'ouvrir. Du coup, on va poser le blé. Mettre un truc dans l'inventaire, je sais pas ce que c'est. Bloc d'herbe. On va se refaire des torches. Et de charbon. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste de charbon? Non. Ah. J'ai des os qu'on va stocker. Voilà. On va faire passer la nuit vite fait. Regarde comme ça. Bon, c'est pas instantané après. Ok. Ah bah oui, il y a la commande en fait qui s'est tapée toute seule, j'avais pas vu. Sacré vos bottes.
On mange un petit peu. Et on va retourner dans notre faille. Attention à la tête, ça fait mal. En descente, c'est pire en fait. C'est plus en descente qu'en montée, j'avais oublié. Je le vois. Bon, mais il sera là dans un petit moment, je le lirai après. Et merci pour vos loots. Personne ici? Petit tas de gravier. C'est pratique, finalement. Là-bas. Je le vois. Ah, je pense qu'il est déjà passé. Ok. Faut que j'enlève cette coulée de lave. Pour le charbon. Ah, j'aurais pas dû faire comme ça. Mais bon, il n'y en a plus. Il est reparti sur du jour, donc soit il y a mineshaft, soit ça débouche à la surface. Soit il y a juste de la lave en fait. J'aurais dû m'en douter que c'était ça. Et oui, c'est ça. Tiens, pis, tiens, pis. Des blocs. Puis c'est bon. On va par-dessus. Trop loin. De toute façon, là, il n'y a plus de lave. Là. Ok. Un petit chemin dérivé. Que je me fasse un saut sinon. Ça pourrait être pratique. Bon, on est allé au bout finalement, il n'y avait pas grand chose à explorer encore. Ah, un zombie. Est-ce qu'il y a des grottes là-bas? Est-ce que ça communique? Je suis armé. Ils sont pas bien loin. Ah, mais genre, je peux poser à cette hauteur. Ah ouais. Peut-être que c'est juste dans la dans la faille. Oh, elle continue plus loin, on va regarder. Clairement c'est à gauche. Bonjour.
Allez, ouvre l'eau, l'eau. Ah. Et là. Ah, raté. Ah là, oula. Le Shun Sickness est là. Travaille en inondation, en zone inondable. Sachant qu'il y a les jambes qui vont pop devant moi, ça va me rassurer. On est d'ailleurs. Là, il y a un mur. Je m'appuie. Enfin, en plus, je m'appuie, mais il y a vraiment un truc. Ah oui, c'est le micro, pardon. Désolé. Ah, attends, je vais m'éloigner un petit peu. Un bloc. Deux. Ça vient tranquillement, mais ça vient. Non, on l'a eu du coup. Bah attends, bah, je vais le lire alors. Mais du coup, j'ai... Ah si, j'ai entendu le bruit, mais du coup... J'ai dû regarder avant et après qu'il apparaisse. Tac. Ah mais il est déjà passé en fait. J'ai fait un don sans avoir de pognon, je suis trop fort. GG. GG Kiro. Hop. Bon. Où est-ce qu'ils sont ces ennemis? Sous le mur. Yeah. Mais ils entendent plus bizarrement là. On a muré. J'avais le micro par là, je crois. Ah. Ouais, rien en fait dans cette salle. Par de l'eau. Là. Mon bras. Son doux. Mais c'est que. Ah, mais il y a un lac en fait. Oxygène. Il y a une espèce de d'étendue d'eau en fait. Peut-être une autre cavité à un autre endroit. Et là, y'a personne. Vous êtes claustro. Là vous êtes bien. Espace. Et... Ok, donc ouais, je pouvais m'amuser à perdre la source. Ouh là ça a l'air profond par contre, je vois ma croix, elle va loin. À gauche toujours. Peut-être là. J'aime pas faire ça, mais on va le faire. Là, mais ça communique. Rider. Pas moyen de remonter plus loin, j'ai l'impression. Ah, d'être là, hein. Selon les débusqués. Dedans d'ailleurs. Ok. J'ai glissé. Voilà où je pensais être. Soit ils sont tout droit, soit ils sont au-dessus. Les trous, ouais. En fait, c'est juste que moi je suis. C'est juste que je frôle les murs avec mon perso. Je crois qu'ils sont pas loin. Hein. On avait contourné depuis tout à l'heure. Qui sont
y trouver. Hein. Je crois qu'on va laisser tomber. Est-ce qu'on repartirait pas en extérieur et qu'on fouillerait un petit peu le monde? Finalement, là, on a eu la faille, mais heureusement, ça a pas mené à grand chose. Pas eu de donjon. Oui, c'est parce que la pouf, un creeper. Non, ça c'est de la pierre, c'est pas du gravier. De près, c'est difficile de distinguer. Encore des pixels. Une galerie de la mort. Là. En plus, il y a les chauves-souris et tout, donc c'est qu'il va y avoir de la place pour se prendre des trucs. À gauche encore, hein. On retourne tout à l'heure. Hein. C'est pas loin. On est à outrance. Ah ouais, si ça se trouve, ils sont au-dessus. Comme il n'y a pas le X-ray, ou voilà, on a envie d'en regarder à travers les murs, et ben, peut-être pas. On va se casser, hein. Ils ont dû s'étouffer. Peut-être, peut-être. Mais ce qu'il a rapporté, celui-là, du coup. Vu qu'il y a du monde. Je crois qu'il a dû faire genre 1/2 centime. Pas loin. Ce petit loot. À gauche. Là, c'était prêt par contre. Ah! Alors, là, je vais voir un squelette qui va passer la tête et sa flèche. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes là? Oh, ça c'était le mur. Oui. On va arriver. Il va y avoir mon écran pas loin. On va aller voir, hein. Il a l'air d'y avoir du monde. Le monde c'est... Non, bon, je peux partir par là-bas, hein, c'est pas... À gauche, à droite. Ah, à droite. C'était le bureau. Ah putain, en plus. Bien dans un coin là. En fait, je tournais autour de ce tunnel quoi, en gros. C'est ce que vous voulez me dire. Ok. On va trouver le premier bout. Allô? Ça sera bon. Voilà, et avec ce zombie? Oui, les chauves-souris et... Les miroirs étaient éteints de chaud. Et des pop en repartant. J'ai au moins un squelette, moi. Ah non. Il n'y a rien d'autre. Ou alors, il y a d'autres... Il y avait un qui s'entremêle encore et encore. Je pense, hein. Ah, c'est le gravier qui fait ses... particules. Alors pourquoi qu'il tombe pas celui-là? Voilà. Est-ce qu'il était pas... Il était pas titi.
J'ai l'impression d'entendre un squelette, hein. Ouais, c'est ça. Hein. Je me demande s'il prend pas des dégâts, ça se trouve, il est sur de l'eau. Et c'est une manière très courante de mettre des coups de pelle. À bras tendus. Tic 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 tic. Vous voyez même pas mon bras. C'est pas trop. Ça fait des petits flint pour quand on aura des flèches. Bon bah écoute. On va remonter. Jamais. Ils sont sur une petite plateforme là-haut. On avait trouvé le diamant. Ah! Je vais le faire. À droite. Pierre de lune. Par où c'est qu'on remonte? Pas par là. Hein. Ah mais si, c'est là. Attention. Je crois qu'il fallait aller plus bas. Hein. On redescend, pour remonter. Ah, c'est là. Un chemin très praticable. Morte. Bon, on n'a pas ramené grand chose là du coup. On a ramené une flèche.